et presse parlée, écrite et télévisée. Nous avons quelques familles qui touchent directement. Sans te lancer de ça, nous cherchons à consulter avec eux. Et nous voulons collaborer et porter toute solidarité nous avec eux. Donc nous avons le révérend pasteur Oudalis, estimé. Nous avons Jean-Pierre, nous avons Steven Jérôme, nous avons Francisco Dorival, nous avons pasteur Jacob qui nous dit nous qui fait partie de la Ligue pasteur Gonaïve là. Nous avons Yves Benoît Jean-Marie. Nous avons de l'autre personnalité, son liste qui est très longue, que nous avons en main nous. Nous songeons même l'église Adventiste, là, côté, ils étaient en train de dans l'église là même, pour te kidnapper les gens, en dedans. Donc, nous, bon côté pas nous, pas seulement nous avons cherché à joindre avec eux, pour nous apporter tout support au niveau mental, et encourager eux, et garder tout, et comment nous-mêmes nous avons collaboré avec ensemble de l'autre collaborateur nous avons au niveau des droits de l'homme. Donc, nous chitons avec la Commission des droits de l'homme de la République dominicaine qui est siège de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Donc, nous avons chita la semaine passée avec eux. Nous pensons qu'il faut renforcer nos sociétés. Nous avons chita avec l'Organisation des droits de l'homme d'Hispano-Américain qui chita. Nous avons pris la consultation pour nous rencontrer avec l'Organisation des droits de l'homme en Haïti, puisque nous avons un département des droits de l'homme en organisation VIAMO qui travaille plus à l'extérieur. Donc, lundi qui est venu, nous avons pris le pour nous inaugurer un nouveau bureau et nous avons placé un comité national et nous avons pris un groupe. Et au niveau juridique, qui pour accompagner les citoyens, mais nous avons regardé qui meilleure façon nous avons regardé avec femmes enceintes, Simon Piti, à travers le quartier populaire, qui kidnappent d'une façon involontairement, parce que par les côtés, ils ont pris et ils ont un problème de manger, puisque ils n'ont pas de travail. Donc, nous avons regardé une section humanitaire qui est en train de travailler dans les droits de l'homme. Donc, responsable international a rentré dans le week-end. Donc, lundi, nous allons rencontrer la presse pour nous dire même si nous avons mis sous pied, un accompagnement avec Mounsao. Maintenant, nous avons fait un kidnappé par toute salle. Donc, nous avons fait côté de l'été. Donc, nous avons fait une solidarité. Donc, moi-même, partie de la solidarité internationale et nationale. Nous avons cherché solidarité, organisation des sociétés civiles de l'autre pays, même si l'État pays a été silence. Nous ne comprenons pas la communauté internationale par rapport à la kidnapping qui est faite dans le pays, nous ne comprenons pas comment donc nous avons une propre raison. Mais nous avons besoin de pays, citoyens qui défendent les droits de l'homme dans le pays, organisation des droits de l'homme dans l'ONU et OEA, il faut avoir un autre coup de main au niveau de humanitaire, au niveau de manger. Parce qu'il y a 2 à 3 millions de personnes qui ne peuvent pas manger par jour. Donc, il y a un jour, il y a 3 millions de personnes qui ne peuvent pas manger, on ne peut pas manger. Mon conseil des gens dans le quartier populaire, il n'y a pas de côté priorité. Il y a obligé de monter Pétionville, il y a obligé de monter quoi. Et là, il y a une zone, il n'y a pas de caille dans la zone, c'est dans la rue, il y a un coucher de dormir. Donc, nous-mêmes, nous avons un coup de main dans ça, et ça fait lundi, avec toute la presse, nous allons mettre au courant des programmes là. Et avec des possibilités pour nous dire clairement qu'il y a une position d'action. Parce que nous ne pouvons pas seulement camper, nous ne parler, mais nous voulons accompagner les gens, dans le niveau nous sommes capables. Même pour nous donner un conseil, en tant que chaplain, moi c'est vice-président pour tout le Caraïbe au niveau chaplain. Vous savez, les gens qui sont la mort, ou ne pas l'argent. Mais on titre avec lui seulement, qui mettre le camp. Donc, je voulais dire, espoir pas fini. Moi, je crois qu'on réveille à venir pas trop longtemps. Moi, je crois que la majorité qui est silencieuse pour révolter, mais l'institution des droits de l'homme, il faut nous mettre nous ensemble pour nous faire assise et en dans ça pour nous garder tous les droits fondamentaux et mettre nous sous pied et chercher notre institution qui a mené la bataille. Même si elle était faite au Rwanda, même si elle était faite à tout le pays, eh bien, nous-mêmes, nous allons chercher. Et nous promettons, d'ici lundi, nous avons qui pays n'allait, nous avons dit qui organisation qui a venu, mais au niveau national, nous allons faire consultation avec eux solidaires. Par contre, sur le temps des autorités, hier, c'est le président et le ministre qui a admis que. Et il a échoué, président. Même franc-maçon en tout. Parce que même si nous n'avons pas de même croyance, nous n'avons pas de même. Mais au niveau des droits de l'homme, tout le monde doit respecter les droits de tout le monde. Si franc-maçon en prend là-dedans, prête là-dedans, tout le monde prend, je dis à nous unifier, nous mettons toute division de côté, tout chemin de chien de côté, et ensemble, pour nous dire non, ça ne va pas arriver fait comme ça. Et là, il y a une dans nous, il faut que nous tous mettions nous ensemble, parce que l'État, je dis, l'État doit prendre une explication, mais l'État doit prendre responsabilité pour finir avec ça qui a 20 pays devant le monde et n'a pas de petits pays, en façon mal. Et terroristes qui ont commencé à vendre Haïti,
comme espace de terroristes, eh bien, nous n'avons pas de touristes qui viennent là, nous n'avons pas de diaspora qui viennent là, et nous-mêmes, bon côté par nous, tout, misère va finir avec le pays, nous avons perdu tout le monde. Et stress va finir avec le monde. Mentalement, on ne peut pas dormir. Donc, on va regarder qui joue le problème pour la privée. Donc, nous faisons un cri de désespoir, un cri pour nous dire, on met tête ensemble pour voir ça, pour finir à ce qui a passé par rapport à ce qui a passé au niveau du même secteur religieux qui est touché de grandes situations ça et dans tout niveau société. Il y a une mission, mais il faut le reconnaître, c'est lui là. Il faut le reconnaître que c'est le Premier ministre. Nous pas qu'à dire que ça peut le faire. Mais c'est le rôle de l'État pour la sécurité. C'est le rôle de l'État pour le suspendre ce qu'a fait là. Parce que je ne peux pas faire la place. Je ne peux pas autorité à pouvoir pour moi-même personnellement mal camper en face du système de kidnapping. Mais dans tout pays sérieux, honnête, nous connaissons le plus gros bagaille qu'on a fait, c'est suspendre ça. C'est quoi le Premier ministre? C'est quoi le président? Et s'il n'est pas capable de faire ça, s'il sentit les faillites, et ils font appel avec la société civile là pour venir, donc il faut tirer la révérence. C'est ça. C'est, et tirer la révérence, c'est pour permettre qu'en deux nations, et c'est une question de l'autre monde, qui a fait mieux. Écrite et télévisée et presse en ligne. Je dis à la, en ma qualité de coordonnateur national de la vision pour Haïti et pour le monde via Mo, nous voulons intervenir sur cette situation qui a traversé la nation. Alors, il y a une première approche que nous avons fait, nos délégués internationaux, nous voulons voir une excuse publique à eux-mêmes parce que 19 mars qui s'est passé, a fait nos 16e congrès international, nous, côté que nous pas capables, après consultation ensemble avec le comité exécutif via moi, nous avons répondu au congrès à pas possible parce que il y a un phénomène d'insécurité galopante qui est dans le pays. Eh bien, pour déléguer au sorti de tous côtés à travers le monde, nous avons dit pas possible. Et je dis à la, face à la crise conjoncturelle, ça, et n'a demandé avec tout délégué qui tout côté sur territoire national là et à l'étranger pour yo même yo capable mobiliser yo dans la prière et n'a voyé un message pour l'église lantou même Jean li parlé en Somme 11 le verset 3 il dit quand le fondement sont renversés le juste que ferait-il. Je dis à m'ka comprendre tout le monde a cherché une méthode pour être capable d'exprimer face à la situation qui a ravagé le pays. Mais nous-mêmes, en tant que l'Église, nous aujourd'hui l'est arrivé pour nous unifier nous dans un mouvement que nous avons prôné depuis environ 16 ans, qui est un réveil à transcendance nationale. Côté que, à travers la prière, le réveil ça a arrivé impacté. Tout le monde, que ce soit au niveau des quartiers populaires ou des zones de non-droit, j'ai envie de dire, nous pensons que phénomène ça, c'est spirituellement d'abord pour l'Église la moyenne et pour le moyen spirituellement, on nous mettait toute hypocrisie de côté, toute division de côté pour nous permettre que le résultat ça, on a cherché à pour nous capables de joindre. Et ça fait bon bout de temps depuis livre ça qui est écrit par apôtre Max Joseph Vision pour Haïti et pour le monde qui bail caractéristiques réveil là elle pral fait n'a joindre avec tout ça les 10 caractéristiques par exemple période flagrante là c'est là dans nous là période de 10 grâces là c'est là dans nous là et nous même n'a demandé pour que yon conscience capable prendre et conscience là c'est la capacité d'identifier ce qui est bien et ce qui est mal. Et je dis en ma qualité de coordonnateur, n'a lancé message ça pour nous dire c'est l'heure pour nous faire unité en dans secteur pour nous mettre toute hypocrisie de côté pour nous unifier nous dans la prière pour dans le côté bon Dieu parce que nous senti situation pays d'Haïti c'est seul bon Dieu qui est capable bailler une réponse là-dedans. Oui.